Le cholestérol HDL, également connu sous le nom de bon cholestérol, est essentiel pour maintenir un niveau de cholestérol global au plus bas. Augmenter le bon cholestérol permet donc d'être en meilleure santé. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de changer d'habitude alimentaire. Conseil diététique pour augmenter le bon cholestérol: éviter de consommer des aliments transformés à forte teneur en hydrates de carbone, car ils peuvent augmenter le taux de sucre dans votre sang et diminuer la quantité de bon cholestérol qu'il contient. Ne consommez pas d'aliments riches en graisse. Surtout ceux qui contiennent des graisses trans ou hydrogénées, comme les aliments frits, les pommes de terre frites par exemple, ou les gâteaux apéritifs. Incorporez des graisses monoinsaturées dans votre alimentation, comme celles contenues dans l'huile d'olive, les avocats ou les fruits secs. Essayez de consommer davantage de fibres solubles dans le cadre de votre régime alimentaire, car elles permettent de réduire le cholestérol LDL et d'augmenter le HDL. Vous pouvez trouver ces fibres dans les fruits, les légumes secs et les céréales complètes notamment. Faites de l'exercice pour augmenter votre taux de cholestérol HDL. Il est important d'avoir une vie saine et de faire des exercices aérobiques pendant 30 minutes par jour, plusieurs jours par semaine. Bon à savoir, tout ce que vous devez savoir sur le cholestérol, cela permet, dans un premier temps, de perdre les kilos superflus que vous pouvez avoir. Maintenant votre poids idéal, vous aurez plus de chances de diminuer votre mauvais cholestérol, et d'augmenter le bon cholestérol. Aliments pour augmenter le bon cholestérol: dans la suite de cet article, nous allons vous donner une liste des aliments qui vont vous aider à baisser votre taux de cholestérol global, en faisant augmenter votre taux de HDL. Les graisses monoinsaturées, elles ont une influence positive sur le taux de HDL, notamment les acides gras oméga-3. On les trouve dans certains poissons gras, comme le saumon, le thon, la morue, le maquereau, la sardine, le hareng ou la truite. Les fruits secs, comme les noix, les amandes ou les cacahuètes, contiennent également des graisses monoinsaturées, tout comme les graines de lin, de courge ou de chanvre. N'oubliez pas de consommer des huiles végétales saines. On les trouve dans l'huile d'olive, d'avocat, de colza, de tournesol et de cardamome. Les légumes verts et le soja, ainsi que ses dérivés, sont également excellents pour votre santé. Les aliments riches en fibres solubles: consommez quotidiennement des fibres solubles. Vous pouvez en trouver dans les céréales complètes, dans les légumes secs, dans les légumes, ainsi que dans les fruits. Les oignons: mangez un demi-oignon cru par jour, en l'incorporant dans vos salades par exemple. Vous augmenterez ainsi votre cholestérol HDL de 25%. Les œufs sont généralement inclus dans la liste des aliments à proscrire lorsqu'on souffre de cholestérol. Mais cet aliment permet d'augmenter le cholestérol HDL rapidement. N'en consommez pas plus de 2 par semaine. Si vous le souhaitez, mangez plutôt des blancs d'œufs que des jaunes, car ces derniers contiennent la majeure partie des éléments nocifs pour la santé de vos artères. Lisez aussi, procédés naturels et simples pour contrôler le cholestérol. Les aliments riches en polyphénol: la consommation d'aliments riches en polyphénol permet de freiner l'oxydation du cholestérol HDL, et donc d'augmenter sa concentration dans l'organisme. Vous trouverez des polyphénols dans de nombreux aliments, comme les baies, le cacao, le thé et le jus de cranberry. Régime efficace pour réduire le mauvais cholestérol: le cholestérol ne se manifeste pas de façon évidente. Il est donc essentiel de le contrôler et d'adopter un régime pour réduire le mauvais cholestérol. Lire plus Let's Block ADS. Why?